Maroc tout droit venu la découper. Nah, j'étane, je suis dans le bendo, je vois que j'ai plus le temps de voir passer le temps. Elle peut te sucer pour du bédo. Salut à tous et à toutes, c'est Quentin Mode. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Une vidéo où je vous montrerai un glitch, comment modder ces véhicules comme moi. Donc là vous voyez que j'ai la Duck avec les roues bénise, fumée patriotique, klaxon, hein, on s'en fout, et le turbo. Donc pour ça il faudra une arena, atelier de customisation. Il faudra aussi, comment ça s'appelle, un bunker plus un séjour, donc pour pouvoir dormir. Il faudra mettre votre point d'apparition au bunker. Et ensuite, eh ben, il vous faudra des encas, donc il faudra des pissoisseurs. Qui est soit des pissoisseurs, soit du cola, excusez-moi. Des e-cola plutôt. Donc ça c'est comme vous voulez, mais bon, je vous dis, les meilleurs c'est les pissoisseurs pour pouvoir faire ça. Et il faudra un petit fajo, soit voler dans la rue, ou soit acheter, mais bon, ça coûte 5 000 $. Donc les gars, vous voyez, j'ai la moitié de mes véhicules modés, hein, là. Dans ce garage là, c'est où que je vais modder tous mes véhicules. Et aussi, bientôt, je vous ferai une vidéo comment modder, donc transférer des roues, par exemple ces roues là, sur une moto, donc soit ça, regardez, sur celle là, de moto. Voilà, donc voilà, mais pas aujourd'hui. Peut-être après cette vidéo là, je vous ferai la vidéo. Donc alors, ce qui va être très simple là, c'est que vous allez prendre, ben, vous allez monter sur votre petit Fajo, vous allez faire flèche de droite. Voilà, ça va le ramener jusqu'à l'atelier pour pouvoir le customiser, mais on va pas le customiser. Donc là on fait descendre du véhicule, on passe par là et on se met à la droite de la roue et on fait inventaire en cas. Et on boit soit un pissoisseur ou soit un cola, un e-cola. Donc moi je vais prendre un pissoisseur. Là vous voyez, je l'ai mal mis. Le pissoisseur est un peu trop loin de la roue. Donc ce qu'il faut faire, c'est bien se placer pour pouvoir bien le mettre. Donc je vous conseille d'en prendre 10 minimum pour pouvoir faire ce glitch. Voilà, donc là il est bien placé le pissoisseur. Donc là ce qui va être très simple, c'est que vous allez vous mettre de ce côté là et vous allez faire croix, 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 jusqu'à temps que il va vers les pissoisseurs et il tombe le scooter. Donc voilà, là il est tombé tout seul, voilà. Du coup ce que vous allez faire, vous allez pousser jusqu'à l'entrée là bas Alors je vais vous expliquer une petite technique qui est assez compliquée au début, hein. Qui va, vous n'allez pas le réussir en direct, hein, directement. Donc là vous le poussez et vous le mettez bien au milieu, donc à ce qu'il se quoi, voilà, comme ça. Donc là vous montez dessus et là faut qu'il y ait que un message. Donc là c'est bon, du coup je descends, faut qu'il soit bien mis. Et là je vais chercher une voiture, une moto, mais bon c'est préférable une voiture. Donc moi je vais prendre la Turismo R parce que c'est celle qui va peut-être aller plus rapidement pour pouvoir le faire pousser, vu qu'elle est fort basse aussi. Du coup je prends la Turismo R que je vais custom en plus, du coup. Donc là je fais flèche de droite, vous allez voir que la voiture va faire un saut. Donc là faut prier que le Fajo soit bien mis. Donc faut regarder si il est bien dans la ligne blanche. Non, il n'est pas dedans. Du coup, ce que vous faites, vous remontez dans votre véhicule. Donc ça, ça réussit pas tout le temps. Donc là, vous faites renvoyer au dépôt. Faut vraiment avoir un coup de chance, comme je dis. Faut vraiment être un chanceux de la vie. Voilà, pour qu'il soit bien mis. Voilà, donc là, vous le refaites. Du coup, ça va le rebouger. Bon, je pense que je vais prendre un autre véhicule, hein, pour le faire. Ouais, on va prendre la Duck. Mais d'abord faut que je le relève, hein, du coup. Je vais rendre la Duck qui est là-bas. Mais avant je vais relever le Fajo pour que ça soit bien mis. Après, ah non, j'aurais prié qu'il soit bien mis, hein. Mais non. Donc je vais prendre la Duck. Donc là il est guère à chouette. Je l'ai fait juste pour pour si je perds les véhicules, hein. Pour l'avoir déjà. Pour les roues. Ah, donc là peut-être que ça soit bien mis. Donc là oui, ouais ouais, c'est même sûr et certain qu'il soit bien mis. Ouais, il est mis. Donc vous voyez, il est bien mis.
Donc là vous allez voir quand je monte dessus. Donc là vous voyez il y a deux messages d'alerte, un message d'alerte n'importe quoi, deux trucs. Donc vous faites flèche de gauche en laissant bien le véhicule qui est là. Et là vous voyez que je peux l'emmener un autre. Donc là je vais prendre ma petite Turismo R. Donc là la partie là est très très simple. Faut avoir un bon timing hein. Donc ça, vous faites flèche de droite, du coup ça fait un petit bug. Donc à partir que le véhicule, bah, à partir que vous, votre véhicule, non, votre radio a ça, donc la truc que je vous ai montré, c'est que le glitch fonctionne, voilà. Donc là, je vais descendre de la Turismo R parce que j'en ai plus besoin. Et je vais gérer ma petite duck. Donc, retourne là-bas, merci de pas pousser ma Turismo R, ce serait bien sympa, petite pute. Donc là, vous allez prendre un véhicule qui comporte les caractères de ce que vous voulez. Par exemple, les roues F1, n'importe quelle roue. Donc, Beniz. Que ce soit des roues normales qui est dans le LS Custom normal, tout fonctionne. Par exemple, si je veux mettre les roues Turismo R sur ma voiture qui est là, donc la voiture modée, et ben je peux. Mais ce que je veux ne pas faire parce que c'est une voiture modée. Voilà. Donc là, je fais descendre du véhicule. Là, je vais vers ma Turismo R. Donc, une fois dedans, vous allez faire option plus flèche de gauche. Donc là, moi, vous voyez, j'ai réussi en une seule fois. Donc là, votre personnage va courir. Donc, vous ne pouvez rien faire. Vous mettez vu en première personne. Voilà, on a vu un peu le bug. Là, vous faites une action. Donc voilà, comme ça. Et là, on va aller voir la Turismo R si elle a bien été modée. Donc, vous voyez, la Turismo R est modée. Donc, comporte les roues Beniz, la couleur et les vitres, tout est modé, voilà. Donc là, vous faites flèche de droite pour pouvoir aller changer un truc. Donc, phare, fumée des pneus. Donc les fumées des pneus, je ne change pas. Ce que je vais changer, c'est la plaque. Je vais changer vite fait la plaque, voilà, comme ça. Je vais mettre une plaque noire, voilà. Donc là, on fait quitter l'arène. Ben, vous faites pas vraiment quitter l'arène. Mais si vous voulez par exemple le tester, vous entendez, il y a le turbo et vous allez voir que j'ai la fumée patriotique, le même klaxon. Donc tout est modé, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Ciao ciao.